Bonjour à tous, Virgile de Talweg Endurance, 1er avril, séance stato dynamique avec Milo qui est là. Hop. Donc bonjour, on attend toujours les premiers qui vont arriver gentiment. Voilà, donc le 1er avril, voilà, ça a été une belle petite On journée. s'est pas fait des blagues. Non, non, aucune blague aujourd'hui sur le 1er avril, c'était une journée triste. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver, une journée triste, pas de blague aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça, c'est une journée de confinement. Donc bonjour à tous, hein, Virgile, pour la séance stato dynamique. Donc j'espère que tout le monde a passé une bonne journée. Ah, pour un 1er avril, donc, comme on disait, nous, c'était une journée calme. Voilà, il s'est un peu rien passé pour un 1er avril. Aucun des deux a voulu faire quelque chose. Donc, une petite bêtise ou autre, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Pas d'imagination. Non, par contre, c'est quoi ça? Sais pas ce que c'est. Donc, hein, bonjour à ceux qui viennent. Y a pas un truc qui gêne là sur l'écran, non? Si, à droite, là. Ah, ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah bah si, y a un petit poisson, dis donc. Il n'est pas très beau, hein? Non, c'est... Ouais. Non, il n'est pas terrible celui-là. Hein. Je ne sais pas trop. Bon. Voilà, il y en a qui ont mis apparemment un petit poisson devant l'écran. Donc vous pourrez revoir ça en replay, c'est très 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 impressionnant. Voilà, c'est bon. Donc tout le monde est bien là? Ça se passe pour tout le monde? C'est bon? Voilà. Donc on vous présente notre petit aquarium du jour. Voilà, ils sont bien sympathiques, ils sont assez calmes, ils sont tous sympathiques comme tout. Voilà, donc par contre, vérifiez bien dans votre dos hein, s'il n'y a rien d'accroché. Donc c'est bon, hop, moi, ça a l'air d'aller. J'ai rien vu. Donc on va mettre la musique, après on va être sur du stato dynamique aujourd'hui. Voilà, préparez une chaise, éventuellement une chaise, tapis, évidemment. Si vous avez un tabouret ou des petits marche-pieds comme ça, quelque chose de solide hein, comme d'habitude et pas à roulette encore une fois pour pas se trimballer avec, n'hésitez pas à en prendre, on aura peut-être besoin pour tout à l'heure, sinon le matériel habituel, ça sera amplement suffisant aussi. Voilà. Donc bonjour à tous, de nouveau pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà, donc on va installer les petits poissons comme il faut. Très bien. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a des poissons de compète et des poissons d'enfants. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Allez, on met un petit peu plus de son. J'espère que ça va le faire pour tout le monde. J'espère qu'il y a eu plein de petites blagues aujourd'hui. On a fait les petits poissons tout à l'heure, donc on vous les remontrera un par un. Hein. Allez, le petit pas sur le côté. Hop. Allez, on est reparti. Pour la soirée, voilà le petit pas sur le côté, musique un peu plus rapide que ce matin, et tout de suite enchaîne sur deux talons faits sur la même jambe, et deux, et là, allez, je vais monter un tout petit peu le son. Désolé, on va Virgile et Milou aujourd'hui, Milou en hôtesse du jour. Voilà, double, un et deux. 1 et 2, allez, dynamique avec le haut du corps, toujours les 5 fondamentaux, les bras, très bien, montée de genoux, 2 avec le coude, et 2, allez, double, très bien pour ça, on continue encore, donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver, vous avez raté le petit poisson d'avril, c'est un petit peu dommage, il faudra revenir en replay au début, 1, gauche-droite, en double. J'ai le chat qui me gratte la gorge. Désolé. Allez, le petit pas à côté. Lisse avec les mains. Ok, très bien. Pointe côté. Descends sur l'appui. Voilà. Allez, les deux mains à côté. Comme ce matin. Allez, les bras écart épaule. Et tout de suite, tu les emmènes hauteur épaule. Très bien. Et tout de suite, en haut. Toujours un écart épaule, solide avec le dos, transverse. Très bien. Ok.
double talon aux fesses. 4, 3, 2, 1, 2 et 2. Encore 2. Garde bien le genou sous le bassin, ne l'avance pas vers l'avant, sinon ça va monter le genou. Ok, et la main. Hop, main, talon opposé. Main, talon opposé. 2. Voilà. Hop, la main sur le côté. Hop, je vais essayer de reculer un petit peu si on laisse un petit peu d'espace pour bien montrer la main. Voilà, merci. Et 2. Avec la main sur le côté. Voilà, très bien. Encore. Donc là, ce qui est bien, c'est que je peux tendre la main à l'extérieur, ça passe à travers la fenêtre. Voilà, et je me perds. Donc la main à travers la fenêtre, c'est excellent. Allez, deux, montez le genou, coude. Coude. Double. Excusez-moi, le chat qui gratte la gorge. Allez, encore. Allez, parfait. Toujours les deux genoux, enfin le genou et les deux coudes. Allez, marche sur place. Et tu ouvres. Voilà, et tu reviens, toujours en marchant, en hésitation, tu sais pas si tu t'arrêtes. Ah, et tu marches à chaque fois. Tu décolles un pied, puis le deuxième, ça fait marcher, et tu reviens. Donc rebonjour, ou bonjour tout court à ceux qui viennent d'arriver. On remonte, si vous pouvez le voir. Nous avons donc là des compagnons. Donc tu ouvres et tu redescends. Alors là, nous avons nos petits poissons avec nous, notre petit aquarium. Hop, et tu remontes, tu descends et tu remontes. On reprend le petit pas côté. 4, 3, 2, 1 et. Ah, très bien. Répétition, talon aux fesses. On va en faire 4 sur la même jambe. Le bras côté. Les mains qui touchent le talon. Et 1, 2, 3 et 4. Pareil de l'autre. 1, 2, 3 et 4. Tends le bras sur le côté. Et 4. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Et. Allez, bras côté. Et 4. Et l'autre. Très bien. La dernière fois sur cette jambe, 4, montez le genou, 2 coudes, 1, 2, 3 et 4, et l'autre, 1, 2, 3 et 4, encore, et, allez, encore, on le refait encore 3 fois, allez, encore 2, le dernier. Et le petit pas côté, et. Ah. Descends sur les appuis, pied à plat, emmène bien la hanche sur le pied et le genou de la jambe du sol, resserre bien les omoplates, ah, côté, main sur les hanches, très bien, et tu tends les bras vers l'arrière à chaque fois que tu te déplaces avec le petit pas step touch, emmène les épaules le plus bas vers l'arrière, allez. Épaules, omoplates, basse. Les mains, hauteur des hanches. Hauteur des hanches, regarde bien, c'est le coude qui bouge. Ah, que les avant-bras. Allez, bras. Alors, les paumes de main. Là, comme ça, hein. C'est bon, ça marche. Allez, côté, point de côté. Ouvre bien la cage thoracique. Emmène les doigts le plus loin possible. Ah, sur les côtés, donc je recule, c'est pour montrer un petit peu plus. Voilà la position des mains. Ok, parfait. Et attention, ouvre et ferme. Et. Côté. Ne lève pas les bras plus haut que la ligne d'épaule. Ah, et encore, donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Ah, encore. Après, tu fléchis les coudes. Resserre. Très bien. Après, tu vas garder les bras fixes devant. Après le décompte. 4, 3, 4, 3, 2, 1. Bras devant fixe. Épaule basse. Et puis tu fléchis les genoux. Et tu pointes un pied puis l'autre. Donc juste là dans la position. Et tu stops. 4, 3, 2, 1. Stop. Petit rond avec les bras. Hop là. Voilà, je sais pas si on arrive à la voir aussi.
C'est bon. Donc j'ai quelqu'un derrière mon dos, c'est normal, c'est Milou. Et dans l'autre sens. Et on a encore d'autres personnes derrière nous. Hop. Les petits poissons. Très bien dessiné. Très bien, ça marche. Tu te redresses, main sur les épaules et tourne les épaules. Et le tout en marchant sur le rythme de la musique. Voilà, là pour être un peu mieux cadré. Hop. C'est bon. Et dans l'autre sens, tu ouvres la cage thoracique. Parfait. Après, on va faire des squats pour finir l'échauffement. 4, 3, 4, 3, 2, 1. Descends, remonte, descends, remonte. Donc là, j'ai les genoux un peu plus écart que épaules. Hop, on monte, descend, monte, descend, monte, descend. Voilà, bien équilibré. Les genoux toujours vers les extérieurs, hein. Ne le ramène pas intérieur. N'a pas d'appui sur l'intérieur des pieds, sur les gros doigts de pied, hein, mais bien sur l'ensemble de tes 5 doigts de pied. Ah, et on va rester en bas et petit rebond. Voilà, dos bien droit à chaque fois. Ok, c'est bon. En préparation pour une future petite choré. J'en parlerai peut-être ou petite surprise le samedi. Oups. Donc, petite capoeira. Derrière, reviens. Derrière, reviens. Fente, squat. Fente, squat. Fente, squat. Fente, squat. Fente, squat. Fente et squat. Fente, squat. Fente. Et hop, on revient. Essaye d'avoir l'alignement. Sur la fente, le dos. Voilà, musique un peu rapide. Si tu es pas trop rapide comme la musique, c'est pas grave. La posture en priorité. Hop. La dernière sur chaque jambe. Reste, petit rebond. C'est bon pour tout le monde. Allez, on remonte. Tout doucement. Et le petit pas côté pour finir. Talons, fesses, 4, 3, 2, 1, et un petit peu désordonné par rapport à la musique, on importe. Allez, genoux, toujours sous le bassin, montée de genoux, et ah, on va finir de chauffer les jambes. Ok, allez, 4, 3, 2, 1, marche. Voilà. Ok, donc toujours dans l'histoire de la progression statodynamique des exercices qui sont sans mouvement, puis avec des exercices en mouvement à chaque fois. Voilà, statodynamique, le squat, puis le squat dynamique, d'accord. Il y aura un facile, il y aura un dur. On aura donc la fente avec la chaise. Alors là, ça va être compliqué, pardon. Ça, c'est l'exercice assez haut, d'accord. Avec travail d'équilibre, donc attention à bien se placer. Hop, je suis là, donc déjà moi je suis obligé de me tenir. Voilà, genoux sous le bassin et après je vais descendre et je vais monter. Donc là je suis un peu trop près, hop là. Voilà, donc faudra trouver le juste milieu. Pas facile, sinon un petit marche-pied intermédiaire, plus facile puisque là tu peux vraiment le poser. Hop, tu trouves la position, je suis hors cadre, c'est sympa. Voilà, tac. Donc je rappelle, toujours pas assez de place dans la maison. Donc là, je suis ici, hop, je m'installe, je descends. Ou sinon, tu le fais au sol directement, c'est pas un problème. Là, c'est pour mettre vraiment de la difficulté. Difficile, moyen, un peu plus facile en bas, même si c'est dur. Ok. Voilà, après, planche, chaise. Donc sur les mains, celui-là, on connaît. La planche au sol, pareil, les bras tendus avec un petit mouvement du haut du corps. Puis après, la planche latérale avec montée de genoux. On aura donc le fameux pont. Et là, faut pas que j'oublie. On aura un petit mouvement de position du dos avec un petit travail pilates avec les jambes. On en reparlera. Et s'il nous reste du temps, on fera le petit 4 pattes pour faire la planche dynamique à 4 pattes. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Allez, squat. Plus squat dynamique. Je baisse un peu le son.
On peut ranger la chaise. On va bientôt partir. Pied, écart, épaule ou bassin. Et tu descends. Alors ce coup-ci, tu peux être trois quarts comme d'hab. Ou tu peux descendre un petit peu plus. C'est comme tu le souhaites. Ok, presque demi squat. Ça marche. Très bien. Maintenant, soit tu vas facile, tu montes plus haut et tu reviens à la position de départ. Ou sinon, difficile, tu descends un petit peu plus bas. Toujours les genoux vers les extérieurs. Si tu as les talons qui se décollent un petit peu, essaye d'ouvrir un petit peu plus. On en reparlera bien plus tard sur le squat complet. Mais on a largement le temps. On va bientôt rester statique. 4, 3, 2, 1, reste. Allez, ça marche pour tout le monde. Dos bien droit, hein. Fessier vers l'arrière. Épaule au-dessus, genou. À chaque fois, genou au-dessus du coup de pied. Et tu remontes, tu redescends. Allez, t'es pas obligé de remonter trop haut. Là, tu me fais des tout petits, dynamiques. Transverse, rentrée à chaque fois, porte fermée. Emmène le bassin vers l'arrière. Allez, reste. Oui, plus court que tout à l'heure parce que j'ai parlé un peu trop. Allez, maintiens. Ça chauffe. Allez, troisième et dernier pour celui-là. Allez, monte et descend. Go. Très bien. Allez, monte, descend. Toujours le bassin vers l'arrière et vers l'avant. Ici, ça monte et ça redescend. Nickel. Allez, on détend un petit peu. Marche, il faut. Très bien. On va commencer avec le petit marche-pied. Ah. Moi, je vais prendre la chaise. Tac. Ah, très bien. On est ici. Donc, elle peut poser le pied dessus. D'accord. Après, elle peut choisir aussi hein, l'étage intermédiaire. Donc, le genou vient sous le bassin quand tu descends. Le genou 90 degrés, au mieux si t'es vraiment bas, mais va pas trop bas. C'est le genou arrière qui descend, poids du corps sur les deux jambes. Ouh là là. Donc attention, là, elle est en train de pousser à l'horizontale. Donc éventuellement, tu plaques le support contre le mur. Il faut pas pousser à l'horizontale, sinon ça s'en va. D'accord. Sinon, tu restes toujours dans la même position en fente. Et c'est parti, maintien bas. Donc là, hop, je suis ici, moi, en équilibre sur ma chaise. Hop. Et je m'installe. Voilà, dos bien droit. Donc là, il y a un petit travail d'équilibre. Hein. Très bien, monte, descend. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 8. On a 10, allez encore. 5, 4, 3, 2, 1. Change de jambe. Allez, donc tu peux planter un. Les doigts de pied sur la chaise si tu le souhaites, même si c'est un petit peu haut, sinon sur le coup de pied. T'as un tabouret éventuellement là pour faire un étage intermédiaire. Tu commences en statique, moi je m'installe aussi. Hop là, voilà pour moi. Sans allez, hop. Et ben voilà. C'était pas droit. Ouais. Allez, petit accident, ça arrive. Voilà. C'est bon, on maintient et donc on remonte. Pas facile de garder l'équilibre. Allez, monte, descend, 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon, hein? 10, oui. On a 12, 13, 14 et 15. Tu remontes, tu changes de jambe. Donc attention au placement. Donc pareil, vous avez vu dans la précipitation. Mal placé avec la chaise et le pied. Je m'installe, maintiens. Voilà, on prend son temps. On essaye de faire qu'une seule chose à chaque fois. Allez, maintiens. On va bientôt repartir. Allez, nous on a la voisine qui nous regarde. Et c'est parti pour 15. 1, 2, 3, 4. On est à 10. Et 15, change de jambe. Allez, hein, ça fait mal. Ça bosse dur, difficile pour moi. Intermédiaire ou sinon au sol hein. On connaît. Allez, pose-toi correctement. Fais pas comme moi. Allez, maintiens. La posture, travail d'équilibre aussi.
Allez, solide, on maintient. Donc attention à la perte d'équilibre quand on est sur les chaises ou sur tabouret. 15, allez. 1, 2, 3, 4. On a 7. 10. Et 15, on est où? Bah on est à la maison. Ouh. Donc avec tout ça, on était que sur le deuxième, c'est ça? Allez, on a notre troisième installé. On se place. Installe-toi correctement. Tu peux te tenir aussi. Voilà, pour t'installer. Et on se met en place. Maintien. Moi, volontairement, j'ai pris quelque chose de plus dur. 4, 3, 2, 1, les 15. 1, 2, 3. Tu peux faire avec les pieds au sol. Hein, c'est pas un problème, ça. Genou arrière qui va vers le sol. Essaye de te placer droit, tu vois, c'est pas évident. Surtout avec la chaise. On a combien? 16, non, je sais pas. Oh, bon, 16, je sais pas. Dernier, côté. Allez. Exercice de torture, attention. On se place, allez, maintien. Allez. Il reste plus grand chose à faire. Les 15 derniers, allez, 1, 2, 3, on a 8, 11, 12, 13, 14 et 15, voilà, allez, marche un petit peu, marche, marche, très bien, donc on va garder, oula, je sors de l'écran, on va garder la planche. D'accord, pour tout le monde, la planche sur la chaise. On va surtout garder la chaise et se mettre en planche. Donc dans le stato dynamique. Ça ou pas? Non. Ouais, bah vas-y, prends la chaise si tu veux. Hop, voilà. Donc on commence à connaître un petit peu l'exercice. Donc pareil, hein, si tu as un tabouret ou un marche-pied, qui est costaud évidemment, tu peux le prendre et avoir... Là, pareil pour moi, j'ai les écarts, épaules, donc planche. Et après, mouvement de jambes, de bras, pardon. Donc, les mains au-dessus des épaules, en dessous des épaules. D'aucun droit, tu fermes les pattes transverses. Ça marche pour tout le monde. Donc là, moi, je vais placer un petit peu les mains différemment. Voilà. Donc là, Milou, elle va aller chercher le dossier de la chaise, main droite, main gauche, en alternance. Très bien. Comme ça ? Ouais, tu peux juste devant, au plus près, attention à la chaise, ou un petit peu plus haut. Et pour les autres, tu peux même mettre le bras sur le côté. Sur le côté. Voilà. Côté. Allez, on maintient la planche de nouveau. Donc stabilise bien tes bras sur la chaise. Appuie bien poids du corps vers le sol, pas vers l'avant, sinon ça glisse. Allez, on est reparti. Bras côté. Ou, je vais me décaler un peu, ou les mains sur le dossier. Hein, tu vas aller chercher le dossier devant éventuellement, ou sinon les bras sur le côté. Allez, encore un petit peu. Si tu veux plus de stabilité avec tes pieds, tu peux mettre les pieds écart épaule. D'accord? Tu peux les éloigner un petit peu. Stabilise. Donc plus les pieds sont éloignés, plus tu te stabilises. Trop éloigné, perte d'équilibre. Trop resserré, perte d'équilibre. Allez, dernière. De chaque côté. Hop. Voilà, tu montes là où tu peux. Interdiction de déformer. Le bassin, il doit rester toujours en place. Rappelle-toi la diagonale forte. Gauche-droite. Avec les mains. Voilà, stabilise bien. Ne vrille pas. Ou aucune rotation du bassin. Épaule. On va finir. 4, 3, 2, 1. Et tu poses. Et on redresse. Moi je transpire. Moi aussi. Je sais pas pour vous. Hop. Wow. C'est bon ça. Très bien. Planche au sol. Et là, je vous conseille d'avoir de l'espace autour de vous. Tiens. Donc ayez de l'espace à gauche
et à droite de votre tapis, d'accord? Parce qu'on va se déplacer, on va sortir du tapis. Ok, c'est bon pour tout le monde. Là, nous, on n'a pas trop de place. Donc sur le premier, Milou va travailler, je ferai le deuxième. Et le troisième, on verra qui va le faire. Donc elle se met en planche sur le tapis. Pieds et mains. D'accord? Les mains toujours sous les épaules. Non, mains au sol, les mains au-dessus, la planche, éventuellement bassin et épaules sur la même ligne. Donc tu peux garder donc cette position-là, très bien. Ou sinon, le bassin aligné avec genoux, cheville, épaule. Très bien. Maintenant, elle va se déplacer vers la droite pour sortir du tapis. Bras et jambes. Voilà, très bien. Elle revient au centre. Attention à ne pas glisser avec le tapis. Elle sort de l'autre côté, vers moi. Voilà, sort complet et tu reviens sur le tapis. Ok, super. Tu le refais encore deux fois. Sors à droite. Hop, reviens. Voilà, sors à gauche. Trouve tes appuis hein, à chaque fois pour te déplacer. Bien vers la droite, bien vers la gauche. Attention au bassin qui remonte un petit peu trop pour notre très chère hôtesse. Donc on le fait trois fois. Trois sorties à droite, trois sorties à gauche en alternance. Voilà, elle va revenir. C'était ton troisième. Ouais. Temps de pause, parce que là, ça y va. Oublie pas de tourner les poignets ici. Bon, sur les poings, ça peut fonctionner, mais sur le carrelage, ça fait mal. D'accord. Je fais le suivant. Hop. Donc vous, par contre, vous n'avez pas le droit de temps de pause. Allez, on est reparti. Planche, maintien. Fermez pas, transverse, dos bien droit. Toujours auto-grandissement avec les bras, d'accord? Omoplate plate. Bien solide, pas rond, pas creusé. Très bien, allez, trois déplacements sur le côté. Voilà, hop. On revient sur le tapis, on ressort. Et je me redéplace. Je sors du tapis à gauche. Allez, c'est mon troisième, c'est ça? Allez, moi je vais en faire encore. Hop, là je sais pas pourquoi je lève le bassin. En effet, hop. Allez, trois allers-retours, c'est déjà bien. Moi je rattrape un peu mon retard. Allez, hop. Et pour le fun et pour tout le monde, j'en refais un petit dernier. Hop. Allez, Amilou. C'est bon? Un relais. Voilà, un petit relais. Donc si vous êtes à la maison, vous pouvez le faire aussi. On fera les 24 heures. Relais de la planche en déplacement latéral. Voilà, on fera ça gentiment. Allez, salut Laurane. Bien le bonjour. Allez, c'est parti, maintien. Ah non, elle veut pas. Allez, encore un petit maintien. Baisse le bassin. Voilà. Bon, elle est déjà partie sur ses allers-retours. Tu peux partir sur les allers-retours maintenant. 3 à droite, 3 à gauche en alternance. D'accord, nous on n'a pas assez de place, il y en a une qui bosse pour une fois. Voilà, je plaisante évidemment. Très bien. Je fais mon maintien maintenant. Allez, et oui, si tu veux, on peut faire le statique après le dynamique. D'abord le statique et après le dynamique. Donc hein, on peut en faire 3, 4, 5, 6 allers-retours, c'est en fonction de tes capacités aussi. C'est bon pour tout le monde. Ok, allez, le suivant. Hop, sont beaux, oui, merci. Merci Sam. Eh, petite photo avec ta fille et ta coloc. Ok, allez, photo. Alors, nous avons fait donc tapis, chacun son tapis pour nous. Planche latérale. Planche latérale. Hop, très bien. Tac, c'est bon. Il a l'air d'être dans le cadre. Voilà, très bien. Planche latérale. Donc tu peux être sur les coudes et les genoux. Donc le genou par exemple fléchi au sol. Voilà. Très bien. Elle peut tendre la jambe supérieure au sol. Donc elle tend la jambe là au sol. Ok. Ou sinon les deux pieds au sol. L'un sur l'autre, ça c'est dur. Sinon elle pose un pied légèrement en avant. Là. Là normalement non. Mais là, non, 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 surtout pas comme ça. La tranche bien sur les côtés. Le talon, la pointe du pied colle le talon de l'autre pied.
d'accord, et les deux tranches bien à plat au sol pour pouvoir lever. Et là, tu as plus de surface. Si tu décolles les talons ou tu décolles les doigts de pied, ta surface elle est diminuée et en plus tu pars sur les côtés. Donc le bassin vient vers l'avant, bien droite, ventre rentré, porte fermée. Très bien. Et après je vous explique la suite. Ah, donc la planche, on part 4, 3, 2, 1, lève le bassin pour avoir le bassin en neutre. On est d'accord? Allez, maintiens. Encore. Et là, ça va être compliqué. Tu peux en faire 5 jusqu'à 10. On va commencer par 5 déjà. Tu vas monter le genou. Hauteur cage thoracique. 1, 2, 3, 4, 5. Maintien. Est-ce que c'est faisable? Ou sinon, temps de pause. Allez, temps de pause. On pose. Allez, parce que c'est pas évident. C'est une des premières fois pour l'ensemble, peut-être. Allez, on se remet, planche, 4, 3, 2, 1, tu montes. Donc tu t'auto-grandis avec le bras, hein. L'épaule supérieure vers le plafond. Très bien, allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, pause. Toujours la hanche vers le plafond, d'accord? Toujours ton alignement. Troisième et dernier, oui, j'ai mon petit pense-bête à chaque fois. On y va. Allez, bientôt. 4, 3, 4, 3, 2, 1, décolle. Décolle bien cette hanche. Ne tombe pas. Hein. Monte. Bien aligné. Allez, maintien, maintien. C'est bon. 4, 3, 4, 3, 2, 1, 5. 4, 3, 2, 1. Tu poses. Et tu vas de l'autre côté. Hop. C'est bon. Toujours le coude sous l'épaule. Autograndissement du bras. Repousse l'épaule de l'air. Celui-là vers le plafond. Trois fois. Maintien et montée de genoux. Attention. 4, 3, 2, 1. Monte. Allez, décolle cette hanche. Hanche l'une sur l'autre. Allez, encore. C'est bon. On va partir pour les 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Maintien et pause. Allez, toujours solide ici. Ne t'affaisse pas dessus pour pas avoir mal à l'épaule. Auto-grandissement. Le temps que tous les muscles périphériques de l'épaule se mettent en place. Allez, le choix des pieds, hein, comme tu le souhaites. 4, 3, 4, 3, 2, 1, monte. Allez. Maintien, maintien. C'est bon. Allez, décolle bien la hanche. Plus éloigné possible du sol. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 et 5. Pause. Tout doux. Excellent. Hop. Voilà. Je sais pas si tu arrives à bien voir les pieds. Je suis pas trop sûr. Allez, 4, 3, 2, 1, monte. Allez, bien sur la tranche. Maintien. Décolle cette hanche. Dos bien droit. Reste bien en face. Autograndissement. 4, 3, 2, 1, 5. 4, 3, 2, 1. Et pause. Jamais. Plus jamais ça aujourd'hui, mais on recommencera demain. Voilà, planche latérale. Ah, le temps attendu, le temps oublié, le temps zappé, le pont. Allez, sur le dos, et on va maintenir les postures. Allez, voilà, main j'enroule bien vertèbre par vertèbre, pied à plat au sol, là ce coup-ci, je suis sûr que vous me voyez en entier. Allez, on commence par le pont. Statique en haut, donc le neutre au niveau du bassin, les portes fermées, transverse, omoplate plate, souffle, tu imprimes les lombaires au sol, tu décolles le bassin et tu montes et maintiens là-haut. Allez, maintiens, contraction fessier, essaye de bien aligner ton bassin avec genou épaule. Très bien, tu montes et tu descends 10 fois.
1, 2, attention dans ton dos, 3, contraction fessier pour monter, 4, 5, 6, 7, garde bien les pieds à plat au sol, 9 et 10, reste là-haut, contraction fessier, monte pas trop sur les cervicales, reste sur le haut des omoplates. Ok pour tout le monde. Allez, on maintient encore un tout petit peu. Tu serres les pieds. Genoux serrés. Tends une jambe, garde les genoux serrés. L'autre, allez, 2. 3, garde les genoux serrés. 4, garde le bassin toujours à la même hauteur. 5, garde les genoux à la même hauteur serrés. 6. 7. 8, 9, 10 de chaque côté évidemment, et reste là-haut, allez il nous en reste un petit dernier, tu remets les pieds écart bassin, rappelle-toi la chaise renversée, garde toujours ton genou même angle, ramène la hanche vers toi, donc flexion de hanche et genou au-dessus du bassin pour 10, 1, 2, enfin 1 pardon, 2, 3, allez, quatrième jambe droite, quatrième jambe gauche, 5, sixième jambe droite, sixième jambe gauche, 7, 8 jambe droite, 8 jambe gauche, 9, la dixième, repose tout doucement, vertèbre par vertèbre. Ouh, ça va? Oui. Très bien. Et ben on a largement le temps pour faire le quatre pattes. Ah. Donc, on commence à avancer relativement vite. Je vais être obligé de rajouter des exercices non prévus. Ouais. On va peut-être rajouter le pont. Ouais. Voilà. Quatre pattes. Donc pareil, les poignets. Ce coup-ci, tu peux être sur les poings. Là. D'accord? Si tu as des petits supports d'un grand magasin sportif pour tout le monde, tu as des petites poignées avec un petit support en contrebas. Tu peux être appuyé dessus. Voilà, les mains ne touchent pas le sol. Tu es bien appuyé. Si tu as ça à la maison, vas-y. Sinon, tu es sur les poings ou sinon, bah, sur les mains. Ok? Hop. Donc, les mains. En dessous des épaules, le dos neutre, hein. Je rappelle que tu peux osciller le bassin du haut vers le bas, tu stabilises, dos neutre, tu es bien, genoux sous le bassin, ok, on avait déjà fait en pilates, glisser le gros doigt de pied et le petit doigt, alors moi hop, je vais mettre un peu plus en diagonale, désolé Mio, ok, hop, voilà, ici, donc tu vas décoller jambes et bras, mais tu restes bien aligné, d'accord. Rappelle-toi la séance où j'avais mis la bouteille d'eau sur le dos. Hein, ça s'écrit pas pareil. D'accord? Donc là, je maintiens. Très bien. Diagonale forte avec la main et le genou qui est au sol. Fais bien la planche. Très bien. Ramène genou coude sans arrondir le bas du dos. Et tu tends bras-jambes. Et t'en fais 10. Ah merde, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu poses l'autre côté, planche, maintien, interdiction d'arrondir le bas du dos, tu dois garder le bassin toujours parallèle au sol, les épaules parallèles au sol, trouve une diagonale forte, main, genou, ok. Allez, pour le premier, celui-là, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu changes de jambe, allez, glisse, deuxième, premier côté, deuxième, le dos transverse, garde bien le bassin parallèle au sol, regarde ce sol.
Allez, on est parti pour 10. 1, 2, 3, ne bouge pas le dos ni le bassin. 6, 7, 8, 9, 10, change. Je rappelle bien, la paume de main perpendiculaire au sol, tu glisses, tu décolles, le coude il est vers le sol. Hein. Maintiens encore un tout petit peu. Désolé, cherche l'auto-grandissement. Éloigne doigt de pied des doigts de la main. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu poses. Ça va toujours. Troisième, premier côté. Allez, tends. Donc bien dans le prolongement à l'horizontale. Cherche pas à lever la jambe trop haut. Maintiens, contraction fessier, aussi pour tenir cette jambe tendue. C'est bon. Allez, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est bon, on aura 15 minutes ou 10 minutes. D'étirement tranquille pour finir. On est dans le timing, on est bon. Maintiens. 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu peux donc poser. Super. Le temps que je change la musique, Milou peut vous présenter vos trois chers poissons. Bien sûr. Voilà, après vous pouvez peut-être voter pour le poisson préféré. On verra. On vous enverra la photocopie du poisson le jour J. Hop. Alors lui, c'est le poisson aide-soignant ou infirmier. Tout, 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 tout. Et puis... Puis lui, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Il a trop fait d'abdos, il en peut plus là. Voilà, des jolis petits poissons. Voilà, après vous pouvez dire lequel vous préférez, le 1, le 2, le 3. Et voilà, bah, le petit infirmier là. Voilà, le petit infirmier est pas mal, donc vous pouvez voter pour plus tard. Très bien. Ah, on s'occupe comme on peut. Allez, on reste debout. Voilà, on reste debout. Alors on va se mettre légèrement en quinconce tous les deux. Hop. Donc tu vas repousser les murs sur les côtés. Alors hop, mets-toi vers l'avant s'il te plaît. Hop, voilà. Donc là, bah, mets-toi sur le côté aussi. 30 secondes, mets-toi sur le côté. Ah, de quel côté? Donc là, donc tu déverrouilles légèrement les genoux, tu ramènes bien les doigts vers toi et tu repousses les murs de chaque côté. Vas-y, tu peux t'installer. Bon, voilà. Je vais dehors. Donc tu repousses les murs. Voilà, tu déverrouilles légèrement les genoux, pieds écart bassin, dos bien droit. Et tire les doigts vers toi, tu dois sentir des petites choses au niveau des mains, au niveau des doigts. Resserre bien les omoplates, baisse-moi ses épaules. Voilà, hop, très bien, ici, super. Puis après, tu pousses vers l'avant. Donc là, hop, tu pousses vers l'avant, hop, ici, hop, et je me mets là. Et je repousse vers là. Pardon, que je me replace bien là. Tu repousses. Inspire fort. Et en soufflant, tu accroches les doigts derrière. Hop, dos bien droit. Tu repousses le haut du corps vers le haut et l'avant. Rentre le ventre transverse. Resserre les omoplates et ouvre bien la cage thoracique. Inspire. Et en soufflant, relâche. Très bien. On met le flamant rose en place. Tu vas t'asseoir sur l'arrière, comme si tu allais sur une chaise, mais sans jamais t'asseoir. Voilà. Donc là, on connaît un petit peu le flamant rose. Ce coup-ci, tu mets les mains sous les épaules. D'accord? Les mains sous les épaules, dos bien droit. Et tu emmènes les mains vers l'arrière, comme si tu avais un plateau de serveur. Et tu ne fais pas tomber le verre d'eau.
et tu les amènes bras alignés l'un avec l'autre, avec les épaules bien droit, pas en arrière, pas trop en avant, bien dans l'axe si possible, dos bien droit, maintiens la posture, ventre rentré. Inspire, souffle, ramène les bras, remonte tout doucement. Tu fais la même chose de l'autre côté. Genou, cheville. Va t'asseoir en arrière. Reste bien en équilibre. Ok ? Hop, je vais mettre là parce que sinon je vais lui mettre les bras dans le visage. Tu t'installes. Les mains sous les épaules et tu développes vers l'arrière. Hop. Puis tu les ramènes alignés avec le dos. Ok ? Donc je suis comme ça, aligné. Hein. Voilà, en même temps on peut faire des petits guillis sous les bras. Voilà. Oh, tu m'as perdu. Ouais, on n'a pas beaucoup de place. Voilà, hop, j'enlève un bras. Et tu redéveloppes pour revenir tout doucement et tu remontes. Ok, très bien. Pour ça, nickel. La cuisse, on connaît. Je lève le pied. J'attrape. Talon caché derrière fessier. Genou vers le sol. D'accord ? Très bien. Auto-grandissement, ne cambre pas le dos. Par contre, ça étire la cuisse, on est tous d'accord. Tu emmènes, toujours en gardant le talon collé fessier, tu emmènes le genou sur le côté. Ça tire légèrement différemment. On maintient bien. Voilà. Donc il me semble qu'il y a Mina qui vient de se connecter. Coucou Mina. Ramène le genou sous le bassin. Ok ? Alors là, je vais me tourner. Donc j'étais ici. Voilà. Maintenant, je vais changer de main et je vais ramener mon talon sur l'autre fessier. Ok ? Et là, j'ai la cuisse qui a tourné dans la hanche vers le côté. Ok ? Donc ne fais pas tourner le genou. Parce que si le genou il tourne, il va absolument pas aimer ça avec le ministre. C'est ici que ça se passe. Ça tourne. Et là, ma cuisse regarde Milou. Tout à l'heure, elle regardait en face. Donc, je change de main et je ramène. Et là, ma cuisse, elle regarde devant. Inspire et souffle, tu redescends. Là, on a fait des étirements sur l'ensemble de la cuisse. On est allé chercher un maximum de fibres à étirer. Ramène la jambe classique. Genou fléchi va vers le sol. Genou écart, bassin. Ne cambre pas le dos. Puis tu gardes toujours le talon fessier du même côté. Et tu ouvres la hanche. Ouvre la hanche. Là, l'os iliaque en haut avance toujours. Ne cambre pas le dos. Tu dois avoir un petit étirement ici en plus. Et cuisse. Puis tu ramènes tout doucement. Puis tu changes de main comme tout à l'heure. Ce coup-ci, j'ai mon talon gauche, fessier droit. Ma cuisse, elle a tourné. Elle regarde sur le côté, si tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est là que ça tourne. La tête de fémur dans le bassin. Ça tourne vers l'externe. Pas le genou. Le genou, lui, ce qu'il aime, c'est une extension, flexion. Pas des rotations. Ramène la jambe. Voilà, on perd un peu l'équilibre. Inspire et expire. Tu reposes. Donc, on va partir en fente avant. Garde par contre le pied à plat au sol derrière. Tu étires. Voilà. Nickel. Tu ouvres bien et la hanche, tu l'emmènes un petit peu vers le bas. Ok. Tu peux ouvrir un petit peu plus. Garde bien les pieds au sol. Enfonce le talon de la jambe arrière dans le sol. Ça étire un petit peu plus le mollet. On est d'accord? Voilà. Il suffit d'un petit geste bien réalisé qu'un grand mal fait. Et là, le petit geste peut décupler ton étirement. Tu relâches la pression du talon au sol. Tu repousses avec la jambe de devant. Tu changes de jambe. Tu switch. Hop. Je fléchis le genou de devant pour avoir mon étirement du mollet de la jambe arrière. Garde bien le pied à plat au sol. Enfonce le talon dans le sol. Très bien. Donc, hein, enfoncer le talon dans le sol, ça décuple l'étirement. Les étirements, c'est toujours étirer doucement. Ça ne sert à rien d'étirer
comme une brute, sinon ça s'appelle des mâlements. D'accord? Et on n'a pas envie de se faire mal. Donc on est bien sur des étirements légers, surtout après la séance. Exactement. Et on revient doucement. Évidemment que non, les mâlements, ça n'existe pas. C'est simplement pour l'exemple de dire qu'on ne fait, on fait des on s'étire et on ne se fait pas mal. Mâlement, c'est se faire mal. Tu vois? Voilà. Voilà la petite explication du mâlement. Très bien. Tu ouvres. Tu ouvres. Ça doit étirer un petit peu entre les jambes. D'accord? Tu gardes le pied dans l'axe. Tu fléchis le genou dans l'axe du pied. Tu descends le bassin. Ça doit étirer à l'intérieur. Si le genou, tu as un petit peu mal ou tu es mal positionné, ça peut arriver. Tu te replaces toujours genou au-dessus cheville. Mais pour faciliter la protection du genou, tu ouvres le pied en canard et le genou part vers l'extérieur. Les deux sont possibles. Évidemment, celui-là est plus sécurisant. Le deuxième, il faut maîtriser un petit peu plus son exercice. Toujours étirement à l'intérieur, tu fléchis le genou, il t'emmène vers le côté. D'accord? Si tu fléchis le genou avec le pied dans l'axe, il fléchit vers l'avant, mais tu pars sur le côté, toujours, et tu reviens. Donc tu as le choix, si tu as commencé avec le pied en canard, bah tu l'ouvres et le genou n'a plus qu'à suivre la direction des doigts de pied. Du pied, du talon vers les doigts de pied. Sinon, tu peux avoir pied parallèle, tu fléchis le genou devant. Par contre, tu es obligé d'avoir une belle posture genou-cheville. Et toujours le dos le plus droit possible. Plus tard, on pourra ajouter les bras, évidemment. Et on remonte tout doucement. Tu gardes toujours l'ouverture. Tu peux mettre les mains dans le dos. Dos bien droit, porte fermée. Tu bascules le bassin. Dos droit, c'est le bassin qui emmène le haut du corps vers le sol. Dès que ça tire intérieur et un petit peu arrière, tu maintiens. Si ça étire toujours pas, bah tu descends encore un petit peu plus. Et à un moment donné, tu pourras peut-être plus descendre. Et ben tu enroules un petit peu plus le haut du corps, même façon Pilate. Souffle, rentre le ventre, repousse les vertèbres du haut, du bas vers le haut, enroule, enroule. Donc moi je vais rester quand même sur la position droite. Voilà, ça étire derrière et à l'intérieur. Mets les mains sur les cuisses, fléchis les genoux. Tu reviens en talon pointe. Donc le talon qui revient, tu ouvres les hanches. Tu refermes les hanches. Mes genoux restent toujours dans le même axe. D'accord? J'ouvre les genoux toujours dans le même axe de la jambe. Et je referme. Et j'ouvre et je referme. Là, j'ai fait aucune pression sur mes ménisques. C'est juste les hanches et têtes de fémur qui ont bougé à l'intérieur des jambes. Donc écart bassin. Tu enroules ou tu déroules. Replace le bassin. Tu remontes. Tout doucement, hop, et on a fini pour ce soir. Donc voilà, nos trois chers petits poissons nous ont bien regardé aujourd'hui. N'oubliez pas le masque, d'accord? Voilà, il y en a un qui est un petit peu vert de la séance, c'est qui était un petit peu trop dur pour lui. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve demain, 10h. Voilà, oubliez pas, le jeudi soir, je crois que c'est donc le cardio circuit training et demain matin Pilates. Normalement, si je me suis pas trompé. Voilà, donc vendredi soir, vous avez voté à 18h30 le cardio circuit training. Donc on retrouvera un deuxième cardio circuit training. Attention à l'enchaînement de deux exercices hyper cardio. À la suite, faites très 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 attention. Je sais pertinemment que j'ai fait un vote, d'accord, mais je vous mets quand même en garde par rapport à ça. Évidemment, on cherche surtout le 80% de fréquence cardiaque. On est capable de parler en étant essoufflé. C'est vraiment une limite qu'on doit avoir à chaque fois pour ce genre de séance et pendant la période. Évidemment, on peut faire des pics un petit peu plus haut si on maîtrise, si on a un cardio fréquence mètre, c'est pas un souci. 6 pics dans la séance, c'est pas méchant, d'accord? Allez, je vous fais de gros bisous. Voilà, si la famille est présente, bisous à tout le monde. Bon courage à ma tante qui est sur la route, hein, à Madeleine, à Mado. Donc attention à tous ceux aussi qui sont sur la route à chaque fois pour travailler.
Pour ceux qui préparent aussi le travail pour les boulangers, parce qu'apparemment il y en a, les boulangers, les infirmiers, les gendarmes, les policiers comme mon beau-frère, voilà, les amis gendarmes aussi, même ceux qui sont à la retraite aussi, on va penser aussi à eux, voilà. Plein de gens, hein, les infirmiers, les infirmières, les filles avec qui j'étais en sciences médico-sociales et qui est sur le front, et ben allez-y, hein, à fond les filles. Je vous fais de gros bisous à Morsan-sur-Orge, à Saint-Michel-sur-Orge. Il y avait aussi Savigny, voilà, toutes les filles que j'avais avec moi en sciences médico-sociales. Bon courage à vous. Allez, je vous fais de gros bisous à tous. Bonne soirée et... bonne douche. Salut, ciao. Oui, une lèche à Diag aussi, ouais, ça marche. Allez, salut Sam. Ben, bien le bonjour à tes parents. Ah bah, bonjour à ta maman, coucou. Voilà, allez, bien le bonjour à toute la famille. Donc à bientôt à ceux qui sont dans le nord-est, qui nous suivent aussi du 53, je crois. Hein. C'est ça, il me semble. Allez, gros bisous, bonne soirée à tous. Ciao, bye bye.